Vérification des systèmes. Les ondes courtes fonctionnent. J'ai aussi la surveillance électronique et quelques récepteurs. Quand on approchera de Suez, essayez de joindre Ismaïlia par antenne directionnelle. Jusque-là, silence radio. Reçu, capitaine. Des nouvelles de Tombstone? Aucune. Et aucune trace de leur balise non plus, capitaine. On s'en sortira. Laisse-moi prendre le volant. La dernière chose que je ferai, Anna. Pourquoi tu me fais pas confiance? Fous-moi la paix. Tu te parles pour qui, finalement? Tu sais quoi? Laisse tomber. Ah ouais? Dis toujours. J'ai présenté Gingy à mes parents. Leurs enfants. Dec. Le lendemain, deux chambres ont débarqué et vous voulez leur faire. Ils sont tous moins vite. Ah. À mon tour de me dire que je savais. Ok. Oh merde! Go, go, go! Des Russes! Tu crois qu'ils nous ont vus? Si on bouge pas, on sera tranquille. C'est ça que t'appelles tranquille? Il faut qu'on se parte ici, ils sont beaucoup trop nombreux! Silence, Marine! Allez, on bouge, on y va! Eh ben bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 4, on a l'épisode numéro 6. Ouais, venez les mecs, on avance. Vous, rien qu'à vous voir, on sait que vous êtes un marine. Septième flotte. Ouais, t'es d'où? Brooklyn, East Flatbush. Tu te donnes Wingate? GWH. Westinghouse? Sans deck. Mon frangin y est allé, mon père a un resto à Brownsville. C'est qui ça? Riker, chef d'escouade. Elle, elle bosse pour le renseignement chinois, elle est fiable. Il nous faut quoi pour rejoindre la base? J'en sais rien, un miracle. Je vous montre à quoi vous avez affaire. Les Russes sont partout. Ils ont pris la base aérienne, on s'est repliés dans la vieille ville. Il nous faut un transport vers l'ouest. Où est votre supérieur? Vous le trouverez dans la vieille ville, un kilomètre à l'est. Vous suivez le dôme bleu et vous cherchez le major Greenland. On peut pas la rater. Hé, hey, ouvre une connexion avec Greenland et mets-la au jeu. Commandant. C'est le meilleur chemin? Affirmatif. Vous avez autre chose dans ce véhicule que les Russes doivent pas trouver? Rien, sauf s'ils aiment la poussière. Hé, hey, Riker, le resto de mon vieux, c'est chez Molina, les meilleurs empanadas de la ville. Allez-y de ma part avec vos hommes. Bon, très bien, Marines. Allez, on fout le feu et on se barre, il faut disparaître. Atteignez la vieille île. Ville, les pardon. Les meilleurs empanadas de la ville. Oh putain, ce que j'ai faim. Et il reste du terrain à couvrir avant la vieille ville. Oh la feu de Dieu, oui. Wow, magnifique. Donc là, j'ai un scarage dans la main. En seconde arme, toujours pareil, je vais mettre un sniper. C'est toujours le mieux. Scarage. Pas mal. Stabilité, ouais, chirurgie, pareil. Ouais, on va garder le scarage, je crois bien. Ouais, je vais garder le scarage. Sonore. Je voudrais aller chercher les explosifs. Donc en explosif, ah d'accord, j'ai C4 et mine. On va prendre les mines anti-char.
Et il m'a eu, il a quasiment failli m'avoir par derrière. J'étais concentré sur la carte justement pour voir par où il passait et du coup ça m'a permis de le voir arriver dans mon dos. Oh purée, qu'est-ce que j'ai fait? Oh purée, donc là, on a eu, j'ai recommencé. Voilà, d'ici, donc là, je ne spot pas les véhicules. Je vais y aller tranquille, tout seul. Pourquoi? Parce que j'ai spoté les véhicules, le véhicule tout à l'heure, et du coup... Pas que je me fasse remarquer en fait. Oh mince, désolé. Où ils sont? Ah purée, c'était qui m'a tiré dessus? Ah, je vais pas recommencer 36 fois non plus. Ce que je vais faire, ou alors je m'occupe pas du tout du tank. Je sais pas si c'est possible ça. Alors attendez, on va refaire pareil, hein. On va reprendre le sniper. Là c'est 4, il est mis dans le chat. Oh mince! Affirmatif! Y'a un lance-missile sur le toit, Wrecker! Voir une russe, quel genre? En position, renseignement édifiant. Quel renseignement? Celui de Patrick. Donc j'ai posé du C4 au cas où. Faut que j'aille au blindé. I
que je peux changer d'arme? Oui, je peux changer d'arme. Voilà. C'est comme ça qu'on fait chez nous. Y'a plus personne? Récupérer des munitions. Si, ouais, c'est toujours pareil, il n'y a pas de M320. Pas choix, faut que je me cache. Là, mon autre véhicule va être un peu dead. Oh, le véhicule par contre il rigole pas. Faut que j'essaye de passer à un endroit. J'ai pas trop le choix par là. Sans qu'il sache que je suis là. Ah, dans mon dos. Toute la difficulté ici, c'est de pouvoir d'être là avec une. Comme ceci par exemple. Sans qu'il vous tue. J'ai très chaud. Ah, une AK-12. Je viens de débloquer une AK-12. Super. Une des armes avec laquelle je joue plus en plus. Il a une tête blindée lui. Ah, c'est qu'il était blindé, c'est pour ça que j'arrivais pas. Donc
là maintenant, normalement, j'ai la K12 qui est ici. Ouais, avec le holographique, ça par contre, les accessoires. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas changer les accessoires. Je trouve ça un petit peu dommage. Parce que se retrouver avec un holographique... Ce serait mieux en jouant avec un cobra ou autre. C'est quand même un petit peu gênant. Ah, j'arrive pas là. Je sais pas pourquoi il y a un truc là. On a pas de lance. Je vais avancer un peu parce que d'ici c'est pas simple. Faut toujours avancer mais en restant à couvert parce que. J'ai entendu un truc sur ma droite, je sais pas du tout ce que c'est. Ah, vous entendez le bruit? C'est qu'il a un casque. Ceux-là, on peut pas les tuer dans la tête. Je vais te voir un truc. Ah, oh, ça n'écroule pas du tout. Un petit checkpoint. Ah, voilà, impeccable. Regardez, Ricker, de l'autre côté du pont, la vieille ville. C'est putain de ça prend pour une attaque en force. Il s'intéresse qu'au rapprochement américain. Ah, ouais, oui, lui, il a un casque. Espérons qu'il n'y a pas de véhicule. Quoi, c'est un tank? Oh oui, il y a un tank en haut là. Oh oui, même un magnifique tank. Donc, il va falloir faire gaffe.
prendre des munitions. Ça me rappelle les maps de Backrook Arkham en fait. Les escaliers comme ça. Le tank là-bas me plaît pas du tout. Est-ce que j'ai du C4? Ouais, j'en ai un. J'ai un seul C4. Moi, je peux pas l'utiliser. C'est pas possible quand même. Ouais, on va récupérer la cadeau. Je suis protégé par le blindé. Ah, déjà là, oui. Là je dis oui, oui. Team 320, ouais. Parce que ça fait pas beaucoup de dégâts. 6 grenades. Ouais, ça fait pas beaucoup de dégâts en fait. En fait, le truc qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'aille poser du C4 sur le tank. Et je vais y mettre un coup de. Parce que là, ça irait pas par exemple. Ça m'étonnerait. Hein. Oh, il est mort. Faut se débarrasser de ce blindé. Caché derrière le bâtiment. Ouais, il est juste en train de péter mon. Bah d'accord, le tel passe en même temps. Allez, on rush. On va recharger. Allons-y. Ouais. Allons voir si Greenland nous laisse entrer. Alors attendez, pardon. Hop, on est parti. On va se finir mon café. Vous me recevez ? Eh ben, c'était un peu une galère. Regardez-moi la gueule du bâtiment. Pour vous dire à quel point il est vraiment, t'es vraiment pas content le temps. Alors l'espèce de petit lance-boule là,
Ah, ils ont perdu des soldats. Tombstone, c'est ça? Merci pour votre aide là-bas. Je vais peut-être prendre un 320 normal parce que celui-là il fait pas beaucoup de dégâts, j'ai l'impression. Encore moins que le M320. Pas de problème, content d'avoir pu aider. Ah, Tombstone, le Major Greenland. Sa main est juste un petit peu buggée, mais c'est pas grave. Ouais, j'aime bien. Là, s'il nous faut une petite map comme ça là, sur le multi, ça pourrait être sympa. Hein. Très agréable c'est bon, à jouer. Vous avez dû traverser l'enfer pour arriver jusqu'ici. Moi, je pense. Hein. Ah. Hey, t'aurais pas quelque chose à manger? Ouais, il y a des rations près du QG. Servez-vous. Merci. Ouais, une petite carte comme ça pourrait être bien sympathique. Ça serait plus une carte infanterie qu'autre chose, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour passer un véhicule. Suppose. Ah ! Non, je ne crois pas. Oh mon dieu. Hein ? Quoi ? Ok. Je me contrefous de ce que vous avez à faire. Faites-le, c'est tout. Personne n'a fermé l'œil depuis 3 jours. Regardez les oiseaux. C'est nous, Major. Les Russes reviennent dans une demi-heure. Je veux que tout le monde mange quelque chose. J'envoie des hommes distribuer des rations alimentaires. Oui, des rations alimentaires, oui. Ok, allez. Major, je... Vous, suivez-le. Je crois qu'on a trouvé Greenland. En route, Ricard. C'est quoi? Oh là, elle a les jambes complètement cassées. Non, je croyais. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vais vous la faire courte, Major. On est coincé derrière les lignes ennemies. On aimerait regagner notre navire. On peut toujours rêver, ça mange pas de pain. L'USS Valkyrie, il est probablement en mer Rouge. Oh, vous êtes tombé à l'eau? Où est mon café? Major, il est impératif qu'on trouve un transport. Elle est pas bien agréable, elle. Les Russes ont attaqué notre aérodrome il y a 3 jours. D'autres forces sont en approche. Le ravitaillement est coupé. On est 1 contre 12. Alors, quel que soit votre objectif, nous n'avons malheureusement pas le même. Reposez ça. C'est une horreur, ce truc. Et les Russes, ils sont comment dans les airs? Intouchables. Ils ont des SAM mobiles en aval du barrage. Ils sont bien défendus. Des postes de tir sous le barrage? Et on est ici. Sur les hauteurs. Toutes nos troupes sont en hauteur et l'aérodrome aussi. Est-ce qu'il reste des civils? Évacuation complète. Aucun civil. La ville est déserte. Vous avez quoi en tête? Je n'avais rien en tête, Major. Je suis un peu déçu que vous ne puissiez pas nous aider. Mais on sera ravis d'emporter vos explosifs s'il vous en reste. Et aussi d'avoir un véhicule. J'ai un véhicule dehors. Mais vous avez intérêt à le ramener. On a aussi des radios en état, si vous voulez garder le contact. Entre vous, ne m'appelez pas. Je ne veux rien savoir avant que tout ça fonctionne. Après, je vous expédie vers l'ouest. Merci, Major. Ok, chef. Surveille les explosifs. Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Et moi, je suis sûr que c'est la pire des idées. Allons-y. Ça va prendre un moment de vous conduire là-bas. D'accord, et moi je vais faire quoi là tout ce temps? Hacker, vous avez une mine dégueulasse. Allez vous reposer. Je vous réveillerai quand on approchera du barrage. Ah d'accord, moi je dors quoi. Ça va, c'est pas mal, pas mal. J'aime bien. Quand il y en a qui bossent, il y en a d'autres qui dorment. 1 heure plus tard, bah j'ai dormi 1 heure, ça va. Waouh! Irish? Ouais. Les gens dont t'as parlé chez toi. Oh, c'est énorme. La femme est... Faut pas récupérer une lampe. Oh, ça c'est magnifique. Oh putain de merde! Ouais, c'est énorme. Est-ce qu'on a assez d'explosifs? Ça ira si on les place où il faut. Commencez ici et placez les charges le long du barrage. Tu vois au centre? On dirait un point faible. C'est là qu'on va mettre la charge principale. T'as un diplôme d'ingénierie? J'ai un diplôme d'ingénierie comme toi, t'as un diplôme de médecine. J'ai vraiment un diplôme de médecine. Enfin bref, peu importe.
T'es vraiment sûr de ton coup? On les tripe de l'intérieur. Bon, on est prêt? Ouais. Allez, Ricker! Attention, l'hélico en approche. Cette map? Là, la map, comme on peut voir. Alors, j'ai bien envie d'essayer la 1416, voir ce qu'on a. On a un point rouge dessus. Ouais, mais je perds de la stabilité. Non, non, on va garder, on va rien toucher. Ouais, si. Je vais vous faire découvrir d'autres armes, hein. Je suis aussi là pour ça. Donc, on va prendre la M416. Alors, est-ce que j'ai débloqué des snipers? Non plus. Ça, c'est dommage, par contre, qu'on débloque pas de snipers. Bon, bah tant pis. Hein. Je vais dire tant pis. Ah, attendez, peut-être que je peux récupérer le sien. Ah, SV-98. Ah, ça, ça fait plaisir. On trouve un petit SV-98, là. Je vais essayer de pas... Je vais essayer de les cutter. Moi d'en cutter un maximum ou. Ouais, je vais rien dire parce que. Ah, d'accord. Mais non, ils nous ont pas vu. C'est une illusion. J'aurais dû rester en haut et tout sniper. Ah d'accord, lui il bug un petit peu. Essayer d'avancer. Je tire! C'est mieux parce qu'à chaque coup que je dis que je vais essayer de le faire discret, je peux jamais le faire discret. J'ai bloqué un fusil à pompe. Ceux qui connaissent pas le jeu, le M1014, c'est un fusil à pompe. Attends, Ricker ! Ricker, aucun temps ! C'est bon, Ricker ? En attente ! Affirmatif ! Tire ! Non, non, non. Oh non, je l'ai faite. Je l'ai faite. Donc là, hein, je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure, je vais cutter les deux. Donc j'avais dit... En fait, je vais garder peut-être celle-là. Ouais, je vais la garder. On va arrêter de tout fouiller. Il y a des Russes partout.
SV-98, franchement. C'est quoi ces vieilles secousses là que j'ai? Là, c'est quoi ces vieilles... En fait, ça me fait des secousses. On va un petit peu. Ah, il y a plus de quoi, il y a plus rien. D'accord. Permet de le voir correctement. Ouais, je reste derrière la caisse, vers la caisse comme ça. Ouais, d'accord. Pourquoi je peux pas le toucher? C'est fini, hostile à terre. Eh ben dis donc. Pour l'instant, c'est bon. J'entendais tirer sur ma gauche. Affirmatif, je tire. Je le vois pas, mon curseur. Merde.
fais une connerie là. J'ai failli mourir à cause d'une bêtise. Il n'y a pas de munitions pour le M320, ça va être un petit peu gênant. J'en ai une là. Un peu petit, hein. Donc ça, à mon avis, il va pas falloir prendre les... Moi, hey, le... Parker, y a un ascenseur, voilà, l'ascenseur. Je dois reconnaître une chose, Anna. Tu te débrouilles bien. Les agents de protection rapprochés sont généralement moins bons sur le terrain. J'ai pas vraiment le choix, Erich. Allez, c'est pas seulement parce que t'es dos au mur. Tu dis pas tout. D'accord, je sais. L'écureuil révèle pas toutes ses caches. Désolé. Les vieilles habitudes. Oh, je sais. J'ai pas toujours fait partie de l'équipe de sécurité de Jinji. Je me suis portée volontaire et on m'a mutée. Et d'où ? Bien essayé, Erich. Mais une fille a toujours des secrets. Tu me raconterais pas toute l'histoire de Tombstone ? C'est vrai. Ne crains rien. Chang est notre ennemi. Et nous sommes dans le même camp. Je trouve que les personnages sont bien réalisés par rapport à Battlefield 3 quand même. Ça a été bien travaillé sur les personnages. Bon, on arrive quand Chine aura besoin de vous. Faut que je m'ennuie, mais presque. Je ne peux pas oublier qui je suis, ni d'où je viens. Ouais, je t'ai entendu, Anna. Merde ! Mais qu'est-ce qu'ils ont ? L'alimentation. Ils ont coupé la lime. Hey, go, go, go ! On doit poser les explosifs ! Ici ! Ok, on se paye vos arrières. On fait un ennemi en approche, allez Anna. Breaker, par ici. Couvrez-la. Mettez-moi ces enfoirés. Le premier explosif est armé. Foncez !
de balles. Allez, recharge vite. Oh, elle est bien sa cachette à elle. J'ai l'impression d'aller un peu trop vite quand même. Il y a un moyen de se barrer. Il est où ce détonateur ? Riker, le détonateur ! Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai compté que deux explosions. Ouais, mais moi je me réjouirais pas trop vite parce que là on fait comment? Voilà, on se retrouve dans l'eau. À mon avis, là, c'est bientôt fini. Hey, envoyez-moi une corde. Moi-même si j'étais sûr d'y arriver. Bien joué, Riker. Les Russes n'ont plus de sol air. On a rouvert le pont aérien. Major, pour ce qui est de nous ramener... Je vais arranger ça. Vous disiez que vous deviez aller vers l'ouest. Vous avez 2 minutes pour vous préparer. Tic-tac, les mecs, bougez-vous. Allez, mets-moi le parachute. T'as raison. Je pense que l'USS Valkyrie fait route vers le canal de Suez. Vous en faites pas, vous irez à Suez. Mais bon, si votre affio est là-bas, il pourrait avoir besoin d'aide. Pourquoi, putain ? Passe-t-on là avec moi, ok ? Les Chinois contrôlent la partie nord du canal de Suez, mais on va la leur reprendre. Le bateau va se retrouver en plein merdier. Bonne chance. Merci, Major. Non, c'est vous qu'il faut remercier. Emmenez-les ! Si
Chang a pris le canal, alors Jinji se dirige droit vers lui. On va devoir les rejoindre. Si j'avais eu de la chance, je me serais noyé. Ça va ? Irish, c'est parce que t'aimes le whisky ? Ça fait 3 ans que j'ai pas bu un verre. Bah, c'est parce que t'aimes le rugby ? Non. Anna, on m'appelle Irish parce que j'ai... Et ben voilà, cet épisode se termine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine, allez, bye tout le monde.